Bonsoir, messieurs, dames. Donc, c'est la troisième et dernière conférence. Elle s'appelle Vers une physique de la cellule. Je vais essayer de justifier ce titre. Alors, je repars de la. Je n'ai pas de pointeur, monsieur Hernandez. Je repars de la cellule que je vous ai montrée plusieurs fois. Et pourquoi ce titre? Parce que la situation de la biologie aujourd'hui est assez inédite. Les biologistes ont toujours été face à énormément de données, des hectares de biologie à décrire. Mais depuis quelques années, disons depuis 5-10 ans, parce que les techniques de production de données moléculaires ont énormément progressé et sont devenues massives, c'est-à-dire qu'il y a des productions vraiment en masse de données, les biologistes se trouvent devant la situation d'avoir pratiquement trop de données et d'avoir pas assez de modèles ou d'idées pour les mettre ensemble. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la situation actuelle et comment ça amène à une évolution assez sensible de la discipline et de la compréhension de la cellule et des organismes, évidemment, du développement des organismes. Donc ça amène à un changement dans deux directions, ce que les anglo-saxons appellent system biology, la biologie des systèmes, c'est-à-dire comment comprendre un système très complexe. Et ça, c'est plus des approches de mathématiques et de simulation, mais qui s'appuient plus sur de l'analyse des réseaux. Et puis aussi une nouvelle biophysique, une vraie physique, soit sur molécules isolées, systèmes isolés, soit sur la cellule entière. Et puis à la fin, je referai un petit retour sur l'évolution qui reste la dimension dans laquelle il faut comprendre le vivant. Voilà. Alors ça, je vous ai parlé la dernière fois de ce qu'on appelle la signalisation intracellulaire sans vous montrer d'exemple. Là, je vous montre un exemple type de voies de signalisation qui ont petit à petit été mises en place à travers soit des analyses de génétique dans des systèmes qui s'y prêtent, soit des analyses biochimiques et qui arrivent à, comme ça, voilà, ça c'est typiquement une voie de signalisation canonique et classique. On a un facteur de croissance, la petite boule rouge, qui arrive sur un récepteur qui est une protéine transmembranaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans sa structure, il y a des régions hydrophobes qui se mêlent aux graisses facilement. Et donc, ils peuvent traverser, qui peuvent s'installer par des mécanismes compliqués dans la membrane plasmique, qui, elle, est une barrière étanche de lipides. C'est-à-dire, on rentre pas dans une cellule sans demander l'autorisation moléculaire. Et puis, quand le facteur de croissance, par exemple, là, c'est un facteur de croissance très étudié, eh bien, on va avoir un changement de la protéine qui va tout d'un coup changer d'état. Par exemple, elle va se phosphoryler. Et du coup, elle change d'activité. Et du coup, elle déclenche une cascade d'événements. Et ça va dans des tas de directions. Et en général, ce que les gens cherchent, c'est à savoir comment ça change de façon sensible ce qu'on appelle le programme d'expression de la cellule ou l'expression des protéines. C'est-à-dire que, au bout du compte, ça finit, si la stimulation est maintenue, ça finit par quelque chose qui se passe dans le noyau et qui va faire que certaines séquences vont être lues ou pas lues, ou au contraire pas lues. Et donc on va avoir un changement d'expression de protéines dans la cellule, qui est ce qu'on appelle la réponse de la cellule. Mais évidemment, il y a des réponses dans tous les compartiments cytoplasmiques, également dans la plupart des cas. Alors, ça c'est un peu le schéma type. Mais je vais vous montrer d'un peu plus près, en utilisant la couverture d'un poster qui suit un livre de Weinberg qui s'appelle « Biologie du cancer », et où on regarde la même voie de signalisation, mais vue de plus près. Et voyez que le problème se complique quand on regarde de près, c'est que voilà le facteur de croissance, voilà son récepteur. Ils ont tous, c'est tous des grosses protéines, qui ont toutes une structure complexe, que je vous ai rapidement décrit la dernière fois. Et puis, chacune, en changeant d'activité, envoie un signal sur la suivante qui elle-même change de structure, qui est l'équivalent d'un signal qui est propagé. Donc là, on est à la flèche jaune. Voilà la suite. Et puis voilà, on continue, etc. Et beaucoup de ces étapes, et finalement, on arrive à ce qu'on appelle les effecteurs, c'est-à-dire vraiment les choses qu'on veut modifier, soit dans le noyau, soit ailleurs. Et beaucoup de ces étapes, vous voyez mal, de ces protéines qui sont dans ces voies de signalisation, sont des enzymes. Ça veut dire que c'est des catalyseurs de réaction.
Et très souvent, ces trois-là, par exemple, c'est des kinases. Je vous ai parlé des kinases la dernière fois, c'est-à-dire des protéines qui sont capables de transférer un phosphate de l'ATP sur une autre protéine. Et quand vous transférez un phosphate, c'est un gros radical chimique chargé qui, du coup, change la protéine. Par exemple, la protéine est comme ça, je lui mets un phosphate là, elle s'ouvre. Et du coup, elle expose des surfaces qui vont pouvoir interagir avec un partenaire. Et si j'enlève le phosphate, par une phosphatase, elle se referme et elle quitte son partenaire. Donc il y en a tout un système comme ça de switch moléculaires qui sont en cascade. Et vous comprenez bien que si une kinase phosphoryle, une autre kinase, qui a plusieurs substrats, chacune, une fois qu'elle est activée, est capable de mettre des phosphates sur, non seulement sur la suivante, mais sur plein de protéines autour. Donc on a comme ça des amplifications de signaux qui changent l'état de la cellule. C'est ça la signalisation. C'est un secteur extrêmement étudié parce qu'il y a énormément de résultats attendus de ça pour la thérapeutique de beaucoup de maladies, y compris évidemment du cancer. Et donc voilà par exemple comment on pourrait représenter schématiquement des voies de signalisation impliquées, très bien repérées pour être souvent mutées dans des cancers. Donc ça ressemble à une carte de métro. Sauf que les stations de métro, évidemment, donc encore une fois, beaucoup de stations du métro de ce plan sont des enzymes et pas simplement des protéines qui changent de structure. Chaque fois qu'elles changent de structure, elles déclenchent une série d'activités. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces stations, elles peuvent changer d'un instant à l'autre. Ici, on va dans cette direction, mais si la protéine change d'état, on va bifurquer, on va aller dans une autre direction. Donc c'est un plan de métro extrêmement polymorphe. Et bien sûr, quand on voit ce plan, c'est pas parce que vous voyez le plan du métro de Paris que vous avez idée du trafic parisien dans le métro. Vous n'avez aucune idée des heures de pointe, vous pouvez vous douter que des carrefours sont des stations importantes, c'est-à-dire si on ferme le Châtelet ou la gare Saint-Lazare, il y a des grosses conséquences. Si on ferme Saint-Sulpice, on peut sortir à Saint-Placide ou chacun à sa ligne préférée. Mais avoir une mesure de l'activité du trafic dans ce réseau-là demande évidemment beaucoup plus que d'identifier les étapes. Mais il a fallu beaucoup de temps pour identifier les étapes. Voilà. Alors, par exemple, ça c'est un arbre. Je vous montre, par exemple, dans le génome humain, dans notre génome, on a 518, maintenant qu'on a le génome tout entier, on a 518 protéines kinases. C'est-à-dire qu'on a 518 enzymes capables de phosphoryler des substrats différents. Donc on a une combinatoire qui peut être considérable. Hein. Et elles sont dessinées comme ça à partir d'un arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que toutes, évidemment, viennent, en remontant dans le temps, d'un motif très ancien qui s'est petit à petit diversifié et qui a donné tout un tas de familles biochimiques un peu différentes, et qui ont des substrats différents, des activations différentes, des cofacteurs différents, etc. Voilà. Alors, juste quelques chiffres. Vous savez que le génome, on discutera de la taille des génomes dans un instant. Dans le génome humain, on estime qu'il y a un peu moins de 30 000 gènes, 25 à 30 000 gènes. S'il y a 10 000 protéines synthétisées dans une cellule à un instant T, ce qui est une estimation à la louche évidemment, si vous la multipliez par ces modifications, phosphorylation, déphosphorylation, mais il y a bien d'autres modifications post-traductionnelles, ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire qui se font après que la protéine a été synthétisée. Il y en a une centaine de répertoriées. Et donc il y a énormément de moyens de changer la protéine, de changer sa forme en lui ajoutant un phosphate, mais il y a beaucoup d'autres modifications, il y a tout ce qu'on veut. Tous les radicaux chimiques sont employés. Eh bien, vous arrivez très très vite à des nombres très très grands de polypeptides différents, à un instant T. Donc, si vous voulez, l'analyse biochimique d'une cellule, c'est un état, d'abord, on le fait toujours sur une population cellulaire, donc c'est une moyenne, et il faut comprendre que c'est toujours en train de fluctuer d'un instant à l'autre. Alors, un mot de la taille des génomes. Vous savez que quand on a commencé à imaginer le séquençage des génomes, c'était dans les années 90-95, il y a eu tout un débat, et à l'époque, petit à petit, on imaginait que le génome humain serait séquencé en 2015-2020. Ça a commencé d'abord par la levure de boulanger, en Europe d'ailleurs, et le génome est sorti vers les années 2000.
et on trouvait à peu près 6000 gènes. Et un petit peu pour des raisons très indirectes, petit à petit, les gens ont fait à partir d'éléments qui étaient encore incomplets, on fait des prévisions et comme ça, beaucoup avaient l'idée simple que plus on était compliqué, évidemment l'homme est très compliqué, se met au-dessus de tous les autres systèmes, plus on devait avoir de gènes. Ce qui était une vision un peu tout à fait naïve. Quand on se rappelle ce genre de choses, avec un petit nombre, on peut avoir une combinatoire considérable. Et puis il y avait la pression des industries pharmaceutiques qui espéraient patenter tous les gènes les uns après les autres. Donc il y avait un peu une inflation. Donc il y avait le bruit courait qu'il y avait 150 000 gènes chez l'homme s'il y avait 19 000 gènes chez la drosophile ou chez C. elegans. Donc il y avait un peu cette idée-là. Et puis finalement, il est apparu que l'homme, aussi compliqué qu'il soit, n'avait pas tellement plus de gènes qu'une mouche ou que tout autre organisme. Il y a même certains organismes qui paraissent plus simples, qui ont une quantité de séquences codantes plus importante. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est par la combinatoire biochimique, une fois les protéines traduites, qu'on peut faire des choses différentes. Alors, on arrive aujourd'hui de plus en plus à ce que la biologie, je vous dis un mot de la biologie des systèmes, c'est-à-dire que par des techniques adaptées, variées, comme maintenant on a la séquence des génomes complètes. Donc la séquence du génome humain était attendue pour 2015-2020, en fait elle est sortie la première draft, la première rapport a été fait en 2001. Donc ça a été extrêmement rapide parce que la robotique s'est mise en route et les machines ont été extrêmement performantes. Et énormément de labos ont été impliqués. Et puis il y a eu une course entre un séquençage dans un cadre privé et un séquençage dans un cadre public. Et finalement, ça a énormément fait avancer les choses. Et donc on arrive de plus en plus à des réseaux de ce genre. Ça, c'est par exemple un réseau d'interaction protéine-protéine qu'on fait avec une technique spécifique. Donc maintenant, toutes les techniques, il est très facile, quelle que soit la technique, si vous avez un petit morceau de protéine, vous allez vers la carte du génome et vous savez à quel gène elle appartient. Il suffit d'avoir une petite séquence partielle pour savoir d'où ça vient. Alors qu'avant, c'était impossible. Il fallait séquencer toute la protéine pour savoir à quoi on avait affaire. Donc aujourd'hui, par des techniques variées, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, on peut faire des réseaux comme ça. Ça, c'est le réseau d'interaction protéine-protéine de la levure de boulanger. Vous voyez quelque chose d'absolument extraordinairement compliqué. Et il y a un brillant biologiste qui a été très important dans beaucoup de grands coups de la biologie moléculaire et cellulaire, qui s'appelle Sidney Brenner, qui a dit une fois, on a écrit les pages blanches, il faut écrire les pages jaunes. C'est-à-dire que maintenant qu'on a toutes les protéines, toutes les séquences qui sont dans les génomes, on a tout sous les yeux. Maintenant, il faut savoir comment ces protéines se parlent, à quel moment, etc. Donc, c'est ça un petit peu le gros défi actuel. En plus de ça, on a ces réseaux-là de plus en plus dans des espèces très divergentes. Donc, il y a énormément de données et il faut faire du sens à partir de ça. Voilà. Mais en même temps, ce type de réseau vous donne des interactions logiques qu'on a bien établies, mais vous donne pas l'espace cellulaire. Il vous donne pas la physique du système. Il vous donne la logique du système, la logique d'interaction. Mais c'est une façon de regarder le système. Et donc, il y a de plus en plus, et en particulier en France, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, de plus en plus de groupes qui viennent de la physique et qui viennent à la biologie. La biologie a tellement progressé que le contrôle des expériences sont suffisantes pour que des physiciens puissent faire de la belle physique sur des problèmes de biologie. Donc il y a de plus en plus de physique de la cellule et des objets et des tissus. Alors par exemple, donc je vais vous donner quelques exemples de ce qui peut se faire au niveau des constituants sous-cellulaires. Et puis après, on verra ce qui se fait sur la cellule entière. Par exemple, je vous avais parlé de la cellule qui migre, d'un fibroblaste qui migre avec son système actine. Si on veut comprendre comment, non seulement quelles sont les espèces qui participent, mais comment le système dans sa masse fonctionne, comment il est régulé. Les biologistes, en général, décrivent les molécules, les décrivent en détail. Elles sont très bons chimistes aujourd'hui. Mais ils ont moins la culture qui consiste à essayer de comprendre comment collectivement
toutes ces molécules fonctionnent ensemble. C'est-à-dire les propriétés collectives d'un ensemble de molécules, ce n'est pas facile à aborder. Et les physiciens, par contre, en particulier ceux des polymères, ce qu'on appelle la matière molle, sont très à l'aise dans ce genre de problème. Et les dimensions d'une cellule sont assez, et les dimensions, les chaînes, les gammes d'énergie sont assez ceux qui connaissent bien. Donc, par exemple, à l'Institut Curie, il y a une école de physique qui est très, très forte et qui, depuis une dizaine d'années, on fait beaucoup d'efforts là-dessus, est tout à fait impliquée dans ces questions-là. Et donc, par exemple, comment comprendre que le système actine polymérise et pousse? On comprend bien pour un filament, on peut décrire un filament, mais comment comprendre que des milliers de filaments arrivent ensemble à pousser comme ça un gel, à pousser la membrane et à faire avancer la cellule? Ça, c'était une des grandes questions. Et un exemple qui est très célèbre, j'appelle ça la saga des Listeria, il est apparu, en fait, la Listeria, c'est des bactéries qui ont aidé énormément à comprendre le mécanisme. Pourquoi ? Il existe des bactéries, vous avez certainement entendu parler de listériose, qui peut être grave pour des femmes enceintes, par exemple. C'est des bactéries qui échappent à la surveillance immunitaire parce qu'elles se dépêchent de rentrer dans les cellules. Donc si vous mangez un vacherin trop fait sous le bois autour du vacherin, il y a beaucoup de listeria, il faut pas en abuser. Et donc ces bactéries rentrent dans les cellules. Donc il a fallu comprendre comment elles rentraient, ça c'est les bactériologistes qui l'ont fait, en particulier à Pasteur, plusieurs équipes à l'Institut Pasteur. Et puis une fois qu'elle est dedans, ce qui se passe c'est qu'elles se mettent à se déplacer, à subvertir le système actine et à s'en servir pour se déplacer et pour passer dans la cellule suivante. Donc voilà une cellule, elle a envahi la bactérie, et puis tout d'un coup, elle a une jolie queue d'actine cellulaire qui lui permet de se propulser et puis de traverser, de sortir d'une cellule et de passer immédiatement dans l'autre. Et vous voyez qu'elle le fait de façon à rester toujours à l'intérieur. Donc il y avait un problème de pathologie, mais du coup, c'est devenu un système. Je vais vous montrer un film ici. Voilà, en contraste, voilà, vous allez voir, voilà ce que fait une bactérie. La lactine est fluorescente. Vous voyez comment elle se promène à toute allure dans les cellules. C'est un peu accéléré, évidemment. Donc, je vais vous le rejouer. Donc, il apparaissait que la bactérie pouvait être peut-être beaucoup plus commode que la cellule tout entière pour comprendre comment les choses se passaient. Et je vais vous montrer un film. Donc ce que les physiciens ont fait, les biophysiciens ont fait, c'est de fabriquer un milieu qui contenait, et ça c'est Marie-France Carlier à GIF qui a trouvé toutes les conditions, les protéines minimales, le cocktail minimum de protéines pour que ça marche. Et puis on met une bille de latex. On met à la surface de la bille de latex un petit peu de la protéine de bactérie qui est à la surface de la bactérie. Et puis, on met de l'énergie, on met de l'ATP. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la bille se déplace magnifiquement avec une queue d'actine. Donc ça, ça devenait un système simple et où il y a eu... Alors les gens se disaient, bon, c'est un système qui pousse un peu. Il y avait plusieurs modèles. Et en fait, la solution est venue de physiciens à l'Institut Curie, en particulier autour de Jacques Pau, qui était de dire, et ça les biologistes ne savent pas trop le faire, de dire la bille nucléée de l'actine tout autour. Au début, les gens pensaient faire ce qu'ils appelaient des billes Janus, une bille qui avait la protéine de bactérie d'un côté et pas de l'autre, pour qu'elle ait une direction. Puis on s'est aperçu qu'on pouvait en mettre partout, ça marchait aussi bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une bille, elle polymérise de l'actine, et puis à un moment, la coque d'actine se brise et ça fait cette queue et la bille bouge. Et ça, pour des biologistes, ce n'est pas évident à comprendre. Pour des physiciens, eh bien, c'est un gel qui croît et on peut très bien calculer qu'au fur et à mesure qu'il croît, la pression dans le gel, la tension dans le gel augmente rapidement et fait ce qu'ils appellent une brisure de symétrie. Le gel se ouvre et du coup, on a un transport. Donc c'est un petit peu comme un... C'est un petit peu... Imaginez... Oula, inquiétant ça. C'est un petit peu comme un savon, si vous voulez, ou un noyau de cerise ensuite. Donc vous brisez cette coque d'actine et ensuite la pression du gel pousse la bille. Et les bactéries très probablement se déplacent comme ça. Et on peut même mimer des mutants de bactéries. Par exemple, il y a certaines bactéries qui se déplacent comme ça.
de façon saltatoire. Au lieu de se déplacer de façon continue, sur une mutation d'une protéine, elle se déplace comme ça. Eh bien, en changeant simplement le diamètre de la bille, on peut avoir des billes qui se déplacent comme ça. C'est-à-dire que c'est les propriétés physiques du gel qui se font autour de la bille qui définissent le déplacement. Donc voilà, c'est typiquement de la physique, et pourtant c'est très important pour comprendre la biologie. Alors ce qui se fait beaucoup aussi, c'est ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un essai de motilité in vitro, c'est-à-dire qu'on colle sur une surface des moteurs, par exemple là c'est de la myosine et ça c'est un filament d'actine, on colle ça un petit peu par des techniques de chimie, et puis on met dessus des filaments, et on met de l'énergie, et ça se déplace. Et j'ai pas trouvé un beau film à vous montrer authentique, mais ça se fait très très bien. On peut le faire avec des microtubules, et on met d'autres moteurs, et on voit les polymères se déplacer comme des petits serpents, revenir dans le système, ils quittent jamais les têtes de moteurs, et ils se promènent sur la surface. Alors donc ça, c'est évidemment des systèmes très importants pour mesurer les vitesses de déplacement, pour mesurer tous les paramètres cinétiques des moteurs. Voilà. Un autre cas, c'est les microtubules. Alors ça, je vous ai montré. Voilà, les microtubules, eux, les moteurs sont très compliqués. Il y a toute une famille de moteurs. Et leur activation va dépendre d'autres protéines. Donc chaque moteur a sa spécificité. Et selon ce qu'on appelle le cargo, selon la vésicule ou la protéine auquel ils vont s'accrocher, on va déplacer les choses. Voilà. Donc là, il y a énormément aussi de physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, aujourd'hui, il y a de très jolis papiers de physique à l'échelle de la molécule isolée qui montrent comment un moteur, il n'avance pas comme ça continuellement. En fait, il hésite. Il avance, il revient, etc. Certains moteurs sont ce qu'on appelle processifs, c'est-à-dire qu'ils se promènent sans se détacher du microtubule. D'autres sautent et se réattachent. Ils ont un cycle et ils se détachent assez longuement, ils se réattachent, etc. Il y a toute une famille, une typologie de moteurs qui est en train de se mettre en place et qui est évidemment très importante pour comprendre. Et non, il y a beaucoup de pathologies qui, semble-t-il, des pathologies par exemple type Corée de Huntington, des choses comme ça, portent sur des affaires comme ça. Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'actine. Il y a les microtubules également sont capables de s'auto-organiser de façon active. Ça veut dire qu'on met de l'énergie. Hein. Si on ne met pas d'ATP, si on ne met pas de GTP, il ne se passe rien. Et les microtubules, eux, ils font les choses différemment. L'actine, elle polymérise, elle pousse la bactérie, ou elle pousse la bille de latex, ou elle pousse les membranes. Elle fait ça en masse. Il y a des milliers de filaments. Les microtubules, finalement, dans une cellule, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. La cellule que je vous ai montrée la semaine dernière qui court après une bactérie, elle a 30 microtubules, 30 à 40 microtubules. Donc on n'a pas des grands nombres. Mais par contre, ils ont la propriété de s'auto-organiser et ils aiment bien être centrés. Je vous ai dit qu'ils avaient une polarité, c'est-à-dire qu'ils ont un bout moins, un bout plus en termes de dynamique. Eh bien ça, c'était une très vieille expérience qui a été faite il y a 30 ans. Aux États-Unis, où on a coupé une cellule, une grande cellule, qui avait beaucoup de microtubules, avec un cutter, avec un petit système. Et puis au bout de quelques heures, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le fragment qui a été coupé, eh bien, les microtubules se réorganisent tout seuls et se font un centre. À l'époque, c'était un petit peu incompréhensible, on ne comprenait pas. Maintenant, on sait que c'est un jeu de moteur sur des microtubules dynamiques qui petit à petit les met en ordre et met tous les bouts moins ensemble et les bouts plus à l'extérieur. Et c'est un champ d'investigation très important. Un des systèmes qu'on utilise, vous retrouvez l'œuvre de Xenop, c'est qu'on peut, je vous ai dit que c'était un cycle extrêmement simple, on peut casser ces œufs-là au stade 1, faire du cytoplasme, et ce cytoplasme, si on s'y prend bien, va cycler. C'est-à-dire qu'il va osciller entre un état S, synthèse d'ADN, duplication des centrosomes, mitose, formation des chromosomes, formation d'un fuseau, phase S, etc. Donc au début c'est 60 minutes et après c'est toutes les 30 minutes. En général on fait un ou deux cycles, pas plus. Et donc c'est un système dans lequel on peut regarder tous ces assemblages de façon très efficace. Parce que l'ovocyte est très riche en protéines, comme je vous ai dit, il a des quantités considérables de toutes les protéines nécessaires. Donc vous prenez son cytoplasme et par exemple vous prenez... Vous pouvez avoir un système acellulaire qui a pratiquement les propriétés de la cellule.
Et là-dedans, c'est un système extrêmement puissant pour regarder la morphogenèse du fuseau, la duplication des centrosomes, la formation du noyau. Par exemple, on peut mettre dans un extrait comme ça de l'ADN, quelle que soit la source. Si on a une interphase, il va s'organiser en noyau. Il va prendre les protéines nécessaires pour faire la chromatine, s'envelopper d'une enveloppe nucléaire à partir des matériaux qui sont dans le cytoplasme. Et puis ce noyau-là, si on passe en phase M, eh bien, il va se défaire et les chromosomes vont apparaître. Des chromosomes vont apparaître, plus ou moins beaux, suivant l'ADN que vous avez mis, mais voilà. Donc ça, c'est des systèmes très puissants dans lesquels on peut regarder des tas de propriétés. Par exemple, ce genre de réseau qui m'a servi de fond d'écran pour les titres de ces conférences, c'est en fait un réseau de microtubules et en fait un réseau de fuseaux sans chromosomes qui est fait dans un test de duplication de centrosomes et dans ce milieu acellulaire qui a été fait par Mathieu Pell au laboratoire pendant sa thèse. Voilà. Et puis, il y a toute une école, en particulier à l'EMBL, à Heidelberg, avec Eric Carcenti, François Nedelec, c'est des Français, et puis Stanley Blair, et il y a Thomas Serey qui est un Allemand, qui s'est énormément impliqué dans ces problèmes de morphogenèse à partir de microtubules, de moteurs et d'énergie. Et donc, ils ont réussi, François Nedelec a réussi à simuler tout ce qu'on observe et à le voir sur son écran, à prédire des comportements en fonction du cocktail de moteurs qu'on met, etc. C'est-à-dire que si vous savez les propriétés physiques des microtubules, ce qu'on appelle la longueur de persistance, les microtubules, c'est très rigide. Et ça a une longueur de persistance très importante. Si vous avez la cinétique d'interaction des moteurs, si vous savez s'ils sont capables de lier un microtubule ou deux microtubules, certains moteurs sont capables de se lier à deux microtubules. Ils ont quatre têtes moteurs et donc ils se lient à deux têtes sur un et deux têtes sur l'autre. Ces moteurs-là, on comprend bien intuitivement, imaginez un Mikado dont les éléments seraient toujours en train de bouger, et puis des petits liens qui les font glisser les uns par rapport aux autres. Au bout d'un moment, on arrive à un état d'équilibre où, par exemple, le moteur qui aime bien les Boumois, eh bien, il va grouper, il va se retrouver au Boumois. Et donc, petit à petit, on fait des astères, des fuseaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est un autre aspect de la biophysique cellulaire. Alors, je m'arrêterai là pour la biophysique des compartiments. Il y a tout un autre secteur. Je vous ai montré la semaine dernière que la cellule était bourrée de compartiments membranaires. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font avec des membranes. À l'Institut Curie, par exemple, il y a des groupes de physiciens et de biologistes qui travaillent ensemble pour prendre des liposomes, c'est-à-dire des grosses vésicules lipidiques, des microtubules, des moteurs, et arriver, avec les bons interactants, à tirer des tubes à partir d'une grosse vésicule. J'aurais pu vous l'amener, des films superbes où on voit une grosse vésicule au départ, et quand on met de l'ATP, qui petit à petit diminue au profit d'un réseau qui ressemble à un réseau de réticulum que je vous ai montré la semaine dernière. Et bien sûr, dans un système plus simple comme ça, on peut poser des questions beaucoup plus précises, limitées, mais très précises sur le système. Voilà. Alors, maintenant, je change, pas plus pour ce qui touche au compartiment intracellulaire. Maintenant, on va poser la question au niveau de la cellule entière, et pour ça, je vais repartir de Darcy Thompson. Comment les tissus sont si bien adaptés à la physique de Galilée? Vous savez que Galilée lui-même a fait de la biologie quelque part, il a fait des dessins, il a montré que la taille des animaux était contrôlée par la physique. On ne pouvait pas faire des animaux trop gros, ou alors il fallait que leurs pattes deviennent gigantesques, très très fortes par rapport au poids qu'ils allaient avoir à supporter. Donc il s'est posé ces questions-là. Et Darcy Thompson, qui était un mathématicien anglais, lui avait un petit problème avec le darwinisme, non pas pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons scientifiques. Il disait, pour l'instant, l'évolution telle qu'on la comprend, c'est-à-dire la sélection des plus aptes, n'explique pas le fait que ces systèmes soient si adaptés au monde dans lequel ils sont. Et par exemple, ça c'est un exemple classique, ça c'est une tête de fémur, et vous savez que la tête de fémur c'est quelque chose qui peut se casser quand on a un certain âge, c'est une région qui porte énormément d'efforts. Et donc si on regarde comment l'os a été déposé, il est déposé exactement comme le ferait un ingénieur pour éviter les brisures. Par exemple, ce que dit Darcy Thompson dans ce très beau livre qu'il a publié très tôt, mais il y a une version abrégée en 61. Cambridge University Press, pour ceux qui sont intéressés, qui est très beau à lire, où il raconte que
un ingénieur qui construisait les premières grues, quand il a vu une coupe de fémur comme ça, il dit, mais c'est exactement comme ça que j'ai construit ma grue. C'est-à-dire avoir des choses orthogonales, des choses qui quand on travaille à la flexion, sont résistées par des choses qui travaillent à la compression. Et donc, clairement, on a l'impression que les os se fabriquent en sachant précisément ce qu'il faut faire. Donc, pour l'instant, ce qui est arrivé à Darcy Thompson, c'est que c'était très joli ce qu'il racontait, mais on ne voyait pas bien comment pouvoir mettre ça en expérience. Et donc, il était un peu oublié, et même très oublié par beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler. Mais aujourd'hui, on peut revenir à ces questions-là en imaginant évidemment que tous ces dépôts d'os, ça se fait par des cellules osseuses qui, au cours du développement, s'installent et fabriquent de l'os dans les bonnes directions. Donc c'est un problème cellulaire qu'il va falloir travailler. Donc je vous donne un petit exemple. Je vous ai dit la dernière fois, alors on revient à la cellule maintenant, je vous ai dit la dernière fois qu'une cellule animale, elle pousse sa membrane en polymérisant de l'actine. Je viens de vous montrer que Listeria nous a aidé à comprendre comment ça marchait. Et je vous ai dit qu'il y avait des espèces de petits muscles de fibres de contraction qui se faisaient entre des points d'adhésion sur la cellule. Eh bien, si on regarde de près, voilà une cellule avec ses fibres. Les fibres en question, elles sont rouges et ce qui permet de contracter, c'est de la myosine, c'est ce qui est en vert. Mais vous voyez que la disposition de ces muscles, donc c'est vraiment des petits muscles. Mais vous voyez que la disposition des myosines transversales est transversale par rapport à celle des fibres. C'est-à-dire qu'on a plein de petits muscles, mais quand même, entre les deux, d'un petit muscle à l'autre, il y a une structure. Donc c'est exactement un petit peu le schéma compression-extension que Darcy Thompson soulignait dans les os. Alors, les cellules, donc je vais parler, les cellules animales et les tissus sont polarisés. J'ai parlé beaucoup de polarité la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je ne vois pas très bien. C'est peut-être un petit peu lumineux ici. Mais ça, c'est une coupe d'intestin. Et donc, on regarde des villosités intestinales. C'est un intestin de souris, mais le nôtre est exactement le même. C'est un intestin grêle. Donc ça, c'est une villosité. Et vous voyez que les noyaux de l'épithélium intestinal sont installés exactement à côté les uns des autres, à la même position. Le sommet des cellules est là. Et puis là, c'est l'intérieur de la villosité. Donc quand vos aliments passent comme ça, ils traversent et se retrouvent pris en charge par le sang. Donc c'est là que ça se passe. Là. Et donc ici, c'est le pôle apical des cellules, où se retrouve le centre de nucléation des microtubules, le centrosome, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc voilà. Donc si vous regardez un épithélium, eh bien finalement, les cellules, évidemment, ont cette polarité apicale-basale qui est exploitée pour faire les tissus. Et c'est très important. On n'imagine pas qu'une cellule soit tête-bêche. Si une cellule était tête bêche dans l'épithélium, ça créerait un trou dans l'épithélium. Alors, si vous voulez étudier cette fabrication des tissus, il faut aller dans un embryon. Mais si vous voulez essayer de le manipuler, il faut trouver un autre moyen. Et je vais vous montrer maintenant un petit peu un des moyens qu'on a développé dans les 3-4 dernières années. Comment on peut poser des problèmes? Donc si vous cultivez les cellules, et c'est très important de cultiver les cellules parce que c'est un système très simplifié dont on sait qu'il a beaucoup de limites, mais qui permet quand même de savoir beaucoup de choses qui sont difficiles d'accès dans les tissus. Si vous avez des cellules en culture, leur polarité individuelle, c'est-à-dire disons l'axe entre le noyau et le centre de nucléation des microtubules, le centrosome, le petit point vert que vous voyez partout, est maintenu, chaque cellule a sa polarité, mais il n'y a plus de polarité collective. Tout le monde est un peu n'importe, organisé au hasard. Si on se débrouille pour normaliser leur forme sur des patrons adhésifs, c'est-à-dire qu'on va leur dire, on va dire aux cellules qu'elles ne pourront adhérer que sur certaines surfaces et que là, elles ne pourront pas adhérer. On va se retrouver avec, par exemple, ce genre de fond cellulaire. On va ensemencer les cellules. Elles ne seront capables de se mettre que là où on veut. Voilà. Et ensuite, et donc si on regarde de près, eh bien on a comme ça des cellules qui ont toutes la même forme, comme dans un tissu, mais qui sont individuelles. Donc si en plus vous vous débrouillez pour synchroniser les cellules dans le cycle, eh bien on peut arriver à avoir une cellule moyenne assez facilement. Et on peut automatiser l'analyse de ces cellules, parce que comme elles sont sur une matrice, on a des systèmes d'analyse
des images ou des films qui permettent de quantifier les choses. Voilà. Donc, alors, dans un tissu, ce que je viens de vous montrer, c'est ça, l'épithélium de cellules intestinales. C'est la même chose que ça, sauf qu'il y a des adhésions entre cellules, et qui sont très importantes. C'est comme ça qu'il y a que l'épithélium est imperméable. Hein, s'il y a un problème de jonction dans un épithélium, c'est gravissime, évidemment. Donc voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, une cellule, elle ne s'attache pas, elle s'attache faiblement à ce qu'on appelle la matrice basale, mais elle a des adhésions très fortes avec ses voisines, mais elle ne s'attache pas sur toute sa surface. Et donc, avec ce type d'approche, on peut très très bien découpler la forme de la cellule et son attachement. On peut faire comme dans un tissu, c'est-à-dire voir le minimum d'adhésion qu'on lui donne pour qu'elle prenne la forme qu'elle sait prendre. Et par exemple, ici, vous avez trois cellules qui ont exactement la même forme. Vous voyez, elles sont toutes les trois triangulaires, mais elles sont sur des supports très différents. Vous voyez, là c'est un triangle adhésif, là c'est un L, et là c'est une barre et un point. Même chose ici, vous avez quatre cellules qui sont carrées, mais elles sont toutes les quatre sur quelque chose de différent. Donc ça permet de poser des questions précises aux cellules. C'est une façon de manipuler les cellules individuelles de façon très contrôlée. Voilà. Et donc on peut regarder comment elles organisent leur actine, on peut s'apercevoir que par exemple quand elles sont sur un L, elles font une seule fibre de contraction très forte entre deux adhésions, et quand elles sont sur cette barre point, est-ce que vous voyez? Moi je ne vois pas. Ah bon, ah ben, regardez là-bas alors. Quand elles sont sur barre point, vous voyez qu'elles font exactement comme un ingénieur ferait, elles installent un grand câble sur le vide. Elles adhèrent ici, et puis là, elles ne peuvent pas adhérer, elles lancent un grand câble contractile qui leur permet de s'installer, et les adhésions qui sont en rouge, parce qu'il y a une protéine particulière, sont d'autant plus grandes que la cellule tire fort dessus. On peut montrer, ça a été montré de façon très convaincante, que si vous tirez sur une cellule, par exemple si vous passez avec une barre de verre sur une cellule et vous tirez dans une direction, elle résiste. Elle renforce ses adhésions. Ses adhésions grossissent. Autrement dit, on a des systèmes de mesure de la force. La cellule non seulement adhère à un support, mais elle sait la résistance. Si on la tire, elle va renforcer son adhésion. Donc ça veut dire que ces adhésions sont des mécanorécepteurs. Et là encore, il y a une signalisation très intéressante à comprendre qui fait qu'une cellule sait si ça tire fort ou ça tire pas fort. Elle est sans arrêt en train de répondre à des forces physiques de cette nature. Donc ici, on voit très bien, elle avait juste ça pour s'accrocher, et bien elle a installé à 90 degrés deux gros paquets, et elle a tendu deux câbles, et elle s'est installée. Vous voyez? Voilà, et donc on a vraiment une organisation, la cellule répond exactement à ce qu'on lui offre. On lui donne ça, elle s'organise comme ça, on lui donne l'inverse, elle fait l'inverse. Donc une espèce d'intelligence, entre guillemets, d'ingénieur face aux conditions qui lui sont données. Et je vais vous montrer, par exemple, là, ça va être sur un V. Je vais vous montrer un film qui va vous montrer qu'en fait, elle fait ça en deux étapes. C'est-à-dire, elle va d'abord repérer... Attendez voir. Ah, je me trompe de... Elle va d'abord repérer l'adhésion. Ah, j'ai oublié de fermer celui-là, excusez-moi. Voilà. Elle va d'abord repérer la zone sur laquelle elle peut adhérer. Alors là, on regarde avec une microscopie qui fait que quand c'est noir, on est très très près du support. Quand c'est blanc, on est moins près. C'est une réflexion. Et voilà ce qui se passe. Elle va pendant une demi-heure trouver le V. Donc elle se déplace, vous voyez, le noyau est complètement de côté. Hop, elle a trouvé. Donc ça prend à peu près une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et ensuite, pendant une heure et demie, elle va tendre ce fameux câble que je vous ai montré sur la région qui n'est pas adhérente. Donc elle va, vous voyez. Donc voilà toute une physique de la cellule à comprendre et qui est certainement très importante pour la morphogénèse des tissus. Ça veut dire, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi une cellule ne se repose pas tranquillement une fois qu'elle a adhéré? Pourquoi elle ne reste pas? Elle dépense de l'énergie comme ça pour trouver la convexité maximum et ensuite pour la maintenir. Parce que bien entendu, si on arrête l'ATP, elle va relâcher. Donc la cellule, même qui ne migre pas, est en permanence en train de maintenir sa convexité. Et c'est certainement très important pour la compréhension, encore une fois, des tissus. Voilà.
Alors, comme ça, on peut aller très loin. On peut lui donner, c'est ce que Manuel Théry a fait au laboratoire, on peut lui donner aux cellules un V, on peut leur donner un T, ou on peut leur donner une étoile Mercedes. Et elles vont à chaque fois répondre, elles vont faire un grand câble quand il n'y a qu'un seul région non adhérente, deux câbles ou trois câbles. Et on peut mesurer que ce câble-là est plus fort que chacun de ces deux-là et que chacun de ces deux-là est plus fort que chacun de ces trois-là. Donc la cellule dépense la même énergie et installe le même champ de force, mais elle le distribue en fonction de l'espace. Hein? Voilà. Alors, et une cellule est capable, alors, de la même façon qu'elle fait ses fibres, cette fibre comme ça, sur la zone non adhérente, elle va avoir quand même de l'actine qui polymérise, qui cherche à avancer, c'est une façon de parler, et elle va le mettre au debout, et on comprend un peu pourquoi ça se passe toujours là où il y a ces deux adhésions. Et donc, les membranes où l'actine polymérise sont ici, et les endroits où l'actine se contracte sont là. Hein? Donc ça veut dire qu'on peut, si l'on veut, contrôler assez bien toute l'organisation du système actine d'une cellule individuelle. Et par exemple, c'est comme ça, c'est ce que Manuel Théry a fait, c'est-à-dire il a essayé de confiner toute la contractilité que d'un côté. Donc il est parti d'une forme qui tient dans un cercle, un seul plan de symétrie, un côté adhésif, c'est celui-là, parce que ça c'est une protéine que la cellule à laquelle la cellule s'attache, tout le reste, elle ne peut pas s'attacher. Et puis, donc avec ça, on va avoir un côté où on aura polymérisation de l'actine, et puis un côté, au contraire, il va falloir tendre des câbles pour enjamber cette surface-là. Et voilà ce que ça donne. C'est tourné à 90 degrés. Donc voilà, toute la contraction se fait là, et tout l'assemblage se fait de ce côté-là. Et vous voyez, on voit une espèce d'organisation qui est probablement la façon dont la cellule a gagné finalement l'état stationnaire. Donc, encore une fois, toute une physique qui rappelle assez ce que Darcy Thompson essayait de comprendre un peu trop tôt. Voilà. Et on peut comprendre comment les microtubules, la dynamique des microtubules va être biaisée par cette organisation. Par exemple, là où il y a de l'actine qui polymérise, eh bien, les microtubules arrivent droit et restent un peu. Là où ils sont tendus sur des câbles, ils filent, les microtubules, ça c'est le bout des microtubules, ils poussent sur les bords et ils vont rejoindre les bords. Donc, voilà. Donc, on peut comprendre. Il y a de l'adhésion, l'actine répond et les microtubules parlent à l'actine et la cellule organise ses compartiments. Et comme ça, on peut arriver à montrer qu'avec des choses comme ça, on met toujours le centrosome pile au centre de la cellule. Comme c'est automatisé, on peut regarder la position moyenne, ça c'est l'empilement de 75 cellules. Il y a toujours une petite variation d'une cellule à l'autre, mais là on fait une moyenne. Et vous voyez par exemple que le centrosome tient dans un petit diamètre qui fait moins de 2 microns. Donc extrêmement précis. Donc on arrive simplement en contrôlant l'adhésion, comme dans un tissu, on ne peut pas le faire, mais dans un tissu c'est très contrôlé, on arrive à définir la position précise du noyau, du Golgi, du centrosome, etc. Donc on arrive à confiner les compartiments internes. Voilà. Comment ça se divise dans cette affaire-là? Eh bien, bien sûr, on va passer d'un système polaire à un système bipolaire, et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très intéressant. La semaine dernière, quelqu'un a posé la question, pourquoi une cellule s'arrondit quand elle rentre en mitose? En général, on dit comment elle s'arrondit, pour éviter de poser une question de type finaliste, mais en fait, ça revient au même. Après coup, bien sûr, on se demande si ça n'a pas une vertu d'être arrondie et qui est exploitée. Alors, comment elle s'arrondit? Eh bien, effectivement, quand une cellule rentre en mitose, elle s'arrondit parce que l'horloge mitotique dont je vous ai parlé s'active, c'est des kinases, encore une fois, une phosphorylation, et les microtubules changent de dynamique, l'actine est coupée en petits bois, mais le moteur actine, la myosine, continue à fonctionner, et finalement, la position d'équilibre, c'est une espèce de contracture du gel d'actine sous-cortical qui se fait ici. Et donc, c'est la position sphérique, la position finale. Mais vous voyez qu'en s'arrondit, en s'effondrant sur elle-même, elle tire des tubes. Ça, c'est de l'actine. Donc, une cellule qui s'arrondit, elle garde exactement son environnement préalable, et simplement, elle s'arrondit, mais elle garde des tubes de connexion. Et on peut montrer que ça, c'est très important pour la division. Par exemple, voilà une cellule qui est sur un L. Donc, peu importe les mots, les noms des protéines, les biologistes aiment bien donner des noms aux protéines, comme les astronomes donnent des noms
donnait des noms aux étoiles. Il y a longtemps qu'ils donnent maintenant des numéros, mais en biologie, on est toujours à donner des noms. Donc il y a des noms les plus variés. Peu importe les noms, mais par exemple, donc je vous avais dit que l'actine polymérisait au debout. Ça, c'est sur une cellule unique. Si vous regardez sur une cellule entière, sur une cellule moyenne, ça, c'est 36 cellules moyennées. Et ça, c'est un code couleur qui vous donne une quantification de la distribution de cette protéine qui répond au joli nom d'Ezrine, peu importe. Eh bien, vous voyez qu'il y en a, quand c'est rouge, c'est fort. Vous voyez qu'il y en a beaucoup là, et pas mal ici. Pas du tout ici. Sur le fameux câble qui est suspendu au-dessus du vide, au-dessus de la région non adhérente. Quand la cellule rentre en mitose, eh bien, là on regarde l'actine, voilà les chromosomes, la plaque métaphasique, voilà les deux pôles du fuseau, les centrosomes, et vous voyez que cette protéine-là, eh bien, encore une fois sur une moyenne, elle s'effondre en face de la région où elle est. C'est-à-dire que la région qui n'avait pas de cette protéine n'en a pas dans la mitose. Autrement dit, quand la cellule se referme comme ça, elle garde sur sa surface une mémoire de la distribution qu'elle avait avant de rentrer en division. Donc on change complètement de forme, mais on garde des repères importants. C'est une transformation géométrique où on garde tous les repères. D'accord ? Voilà, donc la cellule, elle s'effondre. Là, il y a un gros câble, elle s'effondre comme ça. Parce que quand elle s'effondre de cette façon-là, pour des raisons qu'on a compris, mais je ne veux peut-être pas aller trop loin. Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite, le fuseau va essayer de s'orienter comme ça. Donc, on peut essayer de comprendre, quand on a beaucoup de chiffres, beaucoup de valeurs, c'est ça qui est en biologie, très souvent, on a du mal à avoir une quantification des phénomènes. Quand on arrive à avoir une grande quantification, on peut commencer à modéliser proprement. Et par exemple, j'irai vite là-dessus, on a pu faire une modélisation où on peut montrer que si on dit que les moteurs qui tirent sur le fuseau, parce qu'on sait que c'est des moteurs à microtubules qui tirent sur le fuseau pour l'orienter, si on dit que ces moteurs sont plutôt activés, il y en a partout, mais ils sont plutôt actifs à l'endroit où on concentre certaines protéines parce que elles sont au bout de ces fibres de rétraction, on peut comprendre, on peut modéliser un comportement d'orientation. Alors bon, je saute là-dessus, c'est des physiciens théoriciens qui se sont intéressés à ça, mais on peut faire une modélisation de ce champ de force, et quels que soient les patterns qu'on a pu inventer, on trouve une corrélation parfaite entre la modélisation qui a été faite, qui est quelque chose d'assez physique et d'assez trapu, mais un accord parfait entre ce qui est prédit par le modèle physique et ce qu'on trouve expérimentalement. Donc je vous montre ça pour vous donner un exemple de quelque chose où les physiciens avec lesquels on a fait ça ne connaissent rien aux voies de transduction impliquées dans l'activation des moteurs. Mais néanmoins, ils sont capables, à partir de données expérimentales, de proposer un modèle qui rend très très bien compte des résultats. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais ça veut dire qu'on peut en retour, nous, expérimentalement, aller voir comment s'activent les moteurs là et pas ailleurs. Vous voyez ? Donc ce va-et-vient entre la théorie et la modélisation et l'expérience est de plus en plus fréquent en biologie, c'est ça que j'appelle vers une physique de la cellule. Par exemple, ici, une très jolie manip faite par Manuel Théry, c'est qu'on a une cellule qui est carrée en interphase et qui va s'arrondir ici. Et voilà le fuseau mitotique et voilà la plaque métaphasique. Si on garde la même surface, mais on change les proportions, eh bien voilà ce qu'on voit, et la théorie en rend très bien compte. Vous voyez, on oriente le fuseau. Autrement dit, la cellule en interphase qui est étirée comme ça va plutôt orienter le fusée comme ça. Si elle est étirée dans l'autre sens, elle va l'orienter de l'autre côté. Et ça, encore une fois, ça peut se modéliser physiquement. Voilà. Donc finalement, ça veut dire que quand on rentre en mitose dans les tissus, on peut imaginer qu'on change de forme, mais on garde tous les repères avec les voisines à la surface de la cellule et on s'en sert pour orienter la division. Et bien sûr, c'est très important parce que dans un tissu qui pousse, il faut que les deux cellules issues d'une cellule s'installent correctement dans le tissu et réinstallent l'imperméabilité, par exemple, d'un épithélium. Donc il est très important d'orienter la division. C'est un des grands sujets en ce moment
dans le développement, c'est de comprendre comment, dans l'embryon qui se développe, les divisions sont orientées dans les différents tissus pour faire des tissus fonctionnels. Voilà. Et donc, on peut comprendre ça avec ce genre d'approche. Je passe sur les détails. Alors, on peut aussi s'apercevoir, voilà, ça c'est donc 6 cellules différentes. Là, c'est avant de rentrer en mitose, là c'est en mitose, et là c'est en sortie de mitose. Ce qu'on voit, c'est que donc elles passent par cet état sphérique. Vous ne voyez pas les fibres de rétraction, mais elles sont là. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde l'empattement de la cellule avant de rentrer en mitose et l'empattement des deux cellules filles, c'est exactement la même chose. Autrement dit, la cellule après va ressortir, les deux cellules filles vont se réinstaller dans le patron d'adhésion qu'avait installé la mère. Donc il y a une espèce de mémoire de l'organisation de la mère qui se retrouve dans celle des deux filles. Voilà. Alors, voilà comment... Je vais vous montrer ça plus lentement parce que c'est trop rapide. Je vais vous montrer la chose comme ça. Je vois que le temps passe. Voilà. Donc ici, vous avez une cellule, elle va rentrer en mitose. Donc on voit qu'elle rentre en mitose, le noyau commence à tourner, vous voyez. C'est-à-dire on commence à perdre les adhésions qu'on avait. La cellule s'arrondit, tire toutes ses fibres, vous voyez, fait sa plaque métaphasique, puis sort. Et regardez comment elle ressort de mitose, elle suit, elle se réinstalle, elle recolonise les fibres qu'elle a tirées avant de s'arrondir. Et donc elle, à la fin, elle retrouve quelque chose qui ressemble parfaitement. Vous voyez, c'est exactement le contour de la mère qui est divisé en deux. Voilà. Et là, encore une fois, il est très important de se diviser dans la bonne direction quand on est dans un tissu. Sinon, il y a des gros problèmes. Sinon, on va avoir un tissu qui va, par exemple, exfolier ses cellules. Et par exemple, dans un tissu tumoral, c'est ce qui se passe. La cellule perd son contact avec les voisines. Et ça a comme effet aussi de faire que la division s'oriente mal et on émet des cellules dans la circulation. Donc voilà comment on comprend les choses. La cellule s'arrondit. Quand on passe en mitose, la cellule s'arrondit. On oriente le fuseau en fonction de ça. Donc pour répondre à la question de la semaine dernière, pourquoi c'est une sphère, on peut imaginer que ça fait une coque comme une voûte, assez rigide, sur laquelle on peut tirer et orienter le fuseau. Que peut-être il est important que la cellule relâche sa contraction sur le support, mais garde une espèce de sphère très dure, très rigide, sur lequel on va orienter le fuseau, et le fuseau va s'orienter en fonction de la situation précédente. Donc peut-être qu'on ne peut pas couper. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans un tissu, une cellule est toujours sous tension. Donc elle va pas, on ne peut pas couper en deux à vif une cellule, même si on a fait deux noyaux, sans passer par un état intermédiaire qui permet de retrouver l'organisation qu'il faut après la division. Et donc, ce qu'on imagine, mais il y a une part un petit peu d'hypothèse dans toute cette affaire-là, ce qu'on imagine, c'est qu'ensuite, dans cette période-là, la cellule a fait le fameux pont que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais vous le remontrer, jouer lentement pour que vous voyez bien l'histoire. Donc la cellule va s'arrondir, va faire, vous voyez, et elle tire ses fils très longs, voilà, elle a ses petits pieds, là ici, on voit, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de physique à comprendre dans ces tubes, et puis elle sort, elle recolonise complètement les tubes, et puis elle fait ce fameux pont que je vous ai montré la semaine dernière, et ensuite elle va pendant 2-3 heures négocier avec l'autre la coupure. Et c'est fort compliqué. Et ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un moment clé, et toc, tout d'un coup ça se fait. Et l'hypothèse sur laquelle on est actuellement, c'est que la cellule donc était très tendue sur son support, elle s'arrondit en tirant des fils, elle fait cette espèce de... Toute la contraction est maintenant sur la sphère, le fuseau s'oriente correctement, les deux cellules se réétalent, et elles reprennent les adhésions anciennes de la mère. Mais il faut en refaire des nouvelles au milieu avant de couper le pont. Sinon, on aurait un système... Autrement dit, quand on se divise, c'est non seulement faire deux cellules à partir d'une, mais c'est faire deux cellules sous tension à partir d'une cellule sous tension. D'accord ? Donc c'est beaucoup de physique. En ce moment, on fait des tas de mesures, on essaye de mesurer la rigidité de ce pont avec des mesures de force directement avec des physiciens. Voilà. Alors, il est bientôt temps. Donc, l'individuation cellulaire, donc je reviens à la question de la cellule comme objet individué. Ça, c'est une image de cellule, justement, qui est en train de se réétaler. Ça, c'est un peu avant le pont que je viens de vous montrer. Vous voyez, le pont n'est pas encore bien fait. Et donc, c'est le moment où il faut comprendre comment finalement une cellule, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour qu'une cellule arrive à finir sa division proprement.
Je vous ai dit la semaine dernière que c'était souvent un moment à problème, et probablement que c'est un des moments où les choses se passent mal dans les tissus, ou peuvent se passer mal. Alors, voilà à quoi ça ressemble quand on regarde de près. Vous voyez ces deux cellules extrêmement compliquées. Voilà le pont. Voilà les deux centrosomes. Alors, il y a les deux pères et les deux fils. Ils sont chacun une paire, voilà. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est que, et ça semble se confirmer dans beaucoup de situations expérimentales, même si on ne le voit pas partout, c'est qu'en fait, au moment de se couper, eh bien, les centrosomes vont se promener très très près du pont, vont apporter quelque chose, et repartent, et ça coupe. Donc en même temps qu'il y aurait ce système de réinstachement des cellules vers le milieu, il y aurait, une fois que tout est bien, tout est contrôlé, il y a encore une fois des systèmes qui surveillent cette affaire-là, qui disent à la cellule, tout est bon, on peut y aller, on peut aller plus loin, on aurait cette espèce d'événement du centrosome qui viendrait comme fermer la porte. On est très loin, je vous le dis évidemment, clairement, on est très loin de comprendre tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais cette affaire-là est très drôle et donc nous ramène à cette idée qu'avait Boveri, que le centrosome était un organe de division, que sans lui, on ne pouvait pas faire de division. Il est possible que l'idée soit toujours là. Et voilà par exemple, vous vous souvenez de cette image que je vous ai montrée dans la première conférence. Voilà une image qu'on peut voir dans des cellules transformées très fréquemment, c'est-à-dire où une cellule a plusieurs pôles et plusieurs chromosomes. On ne sait pas si ça a commencé par un événement au centrosome ou un événement chromosome, mais où on arrive à faire ces figures tout à fait anormales qui ressemblent très fort à celles de Boveri. Voilà. Et donc, il est bien possible que Boveri ait eu raison, et encore une fois, très, très, très à l'avance et très bien vu. Et je vais vous montrer une cellule, j'espère que vous allez bien le voir, ou regardez là-bas. Ça, c'est une grande cellule. En fait, ce n'est pas une cellule humaine, cette fois, c'est une amibe. C'est une amibe grégaire qui est très intéressante. Et cette cellule a ses deux centrosomes ici, et a un réseau de microtubules, elle a très peu de microtubules, et les deux noyaux sont là. Parce qu'elle va, c'est au moment où elle va se diviser. Mais dans la cellule, il y a deux centrosomes surnuméraires qui ont été faits expérimentalement. C'est un travail qui a été fait en Allemagne par un jeune chercheur qui s'appelle Ralf Graf. Donc il s'est débrouillé par un bricolage, il ne sait pas trop comment il a fait, mais il arrive avec des cellules qui ont des centrosomes surnuméraires. Eh bien, vous allez voir, peut-être regardez là où c'est sombre. Donc on va commencer le film au moment où la cellule se diviserait. Et ce que vous allez voir, et ça c'est un petit peu ça, reprend tout ce que j'ai essayé de vous dire la semaine dernière et la fois d'avant. Vous allez voir, chaque centrosome n'a que 16 microtubules dans cette espèce, donc c'est très facile. Vous allez voir qu'ils vont parler à la périphérie de la cellule, au système actine de la cellule, à la musculature de la cellule, et que ça va avoir des effets sur l'organisation de la membrane, sur la polymérisation, et vous allez voir ce qui se passe ensuite. Vous allez voir que chaque centrosome a l'air de travailler pour son compte. Vous voyez ? Alors, donc ceux-là sont attachés entre eux, donc leurs mouvements sont un petit peu corrélés, mais ceux-là sont autonomes. Et vous voyez, en tout cas, peut-être là-bas mieux, que petit à petit, ils courbent la membrane autour d'eux, et finalement, ils finissent par faire, on était parti d'une cellule, et à la fin du film, on a quatre cellules. Deux cellules entières avec leur noyau, et puis deux, ce qu'on appelle des cytoplasmes, des morceaux de cellules qui ont tout sauf le noyau. Donc ça nous montre, je montre ça parce que ça nous montre que Boveri avait raison avec l'organe de division, mais c'est plus qu'un organe de division, c'est un système d'individuation. Ça permet non seulement de contrôler la division des chromosomes, mais de contrôler la fermeture d'une cellule en deux cellules. Voilà. Et je vous avais dit que les plantes ne se fermaient pas, n'avaient pas de division par fission, qu'elles faisaient ça autrement et qu'elles n'ont pas de centrosome. Donc ça veut dire que là, on a une espèce de module de cytosquelette qui est capable de façonner la membrane. Donc c'est un pouvoir morphogénétique très fort. Et là, il y a énormément de physique à mettre et de modélisation parce qu'il faut essayer de comprendre comment un système centré est capable de s'auto-entretenir pour petit à petit courber la membrane jusqu'à la fermer. Voilà. Alors je termine. Je vous montre peut-être une chose que peut permettre ce genre de pattern aussi, c'est qu'on peut suivre, ce qui est très difficile dans les tissus, on peut suivre deux divisions l'une après l'autre, et vous allez voir comment les cellules sont capables, encore une fois, de s'adapter à la situation qu'on leur impose. Donc voilà une cellule,
elle va faire exactement tout ce que je vous ai décrit. Elle va s'arrondir, tirer des fils, comme vous voyez, on les voit en contraste de phase, faire sa plaque métaphasique, et puis elle va se réétaler sur les fibres. Et donc, là, on a deux cellules filles qui vont petit à petit se couper, et chaque cellule fille, cette fois, est uniquement sur une barre. Donc, elle ne sait pas, entre guillemets, qu'elle est sur un L. Elle sait qu'elle est sur une barre. Et regardez ce qui se passe dans pratiquement 9 cas sur 10. Elles continuent, elles vont couper leur pont, on ne le voit pas bien parce qu'il n'est pas dans le focus, et puis elles vont changer de place. Voilà. En fait, elles ne changent pas de place. Elles changent de place, mais elles gardent les adhésions qu'elles avaient. Donc elles tirent des tubes, elles se contrepassent, mais elles continuent à garder des adhésions. Et donc après un petit moment, elles savent toutes les deux qu'elles sont sur un L. Et elles vont trouver une position confortable pendant tout le cycle suivant, qui est celle-là, parce que ça c'est symétrique. Et donc là, on est en deuxième phase S, elles dupliquent leur ADN, elles dupliquent leur centrosome, et puis, il y a toujours, après un cycle, il y a toujours une petite désynchronisation de 2 heures à peu près. Il y a toujours une qui se divise avant l'autre. Il y a une asymétrie. Et vous allez voir, c'est celle qui est dans l'angle, elle va se diviser avant l'autre, donc l'autre va la chasser, parce qu'elle va s'arrondir, et l'autre va immédiatement prendre la place, encore une fois. Et voilà, c'est bien long. Et voilà, l'autre s'installe et pousse l'autre dehors. Mais là encore, elle garde ses contacts. Et vous allez voir qu'elle revient. Vous voyez, on le voit très très bien ici. Elle revient se réinstaller, voilà, sur la barre. Et puis après, c'est l'autre qui va se diviser, qui va être poussé dehors aussi, mais qui aussi, va, grâce à ses liens, va se réinstaller correctement, va se diviser correctement et elles vont s'installer. Donc ça, ça montre, et ça c'est un problème de physique absolument formidable, ça montre qu'une cellule, c'est un espèce de... Il y a une approche de la cellule comme un matériau viscoélastique, mais qui a une sensorialité extraordinaire qui lui permet de se tirer d'affaire dans des situations extrêmement complexes. Et ça, c'est le grand défi, pas pour les toutes petites années qui viennent, mais probablement pour 15 à 20 ans. Voilà. Autre chose que peut permettre ce genre d'approche, c'est qu'on peut voir que quelqu'un avait posé la question la semaine dernière, comment la différenciation cellulaire peut se produire. Si on fait des patterns comme ça, on peut ensemencer des cellules, donc ils sont beaucoup plus gros, et là vous avez une colonie de cellules. Et quand des cellules sont normales, elles arrivent à ce qu'on appelle l'inhibition de contact. Si elles sont malignes, si elles sont transformées, elles se grimpent les unes sur les autres, elles font un embryoïde tumoral. Si elles sont normales, elles s'arrêtent. Et elles font quelque chose qui est sage et qui ne se divise plus. Mais à tout petit taux, vous avez des cellules qui se divisent. Et c'est très difficile, une fois, c'est très rare comme événement et c'est très dur à suivre. Si vous avez, encore une fois, des patterns comme ça, vous arrivez à pouvoir empiler énormément d'images et vous apercevoir que les cellules qui se divisent sont dans les zones de grande tension, dans les zones où les cellules se tirent le plus dessus. On peut simuler ça, on peut montrer que c'est actine dépendant. Donc on arrive à voir que la forme des tissus est non seulement une conséquence, mais un régulateur actif de la croissance des tissus. Et ça répond un peu à la question de l'autre jour sur la différenciation. Un tissu qui pousse va créer des hétérogénéités de stimulation, de signalisation qui vont faire que certaines cellules vont plus se diviser et d'autres vont se diviser. Donc c'est très probablement comme ça qu'il faut comprendre le programme de développement comme un système qui en permanence est sous des rétroactions dues à la physique du système qui agit sur la signalisation. Voilà. Dernière chose, c'est peut-être un peu long, la transmission des formes. Pour faire ces formes, elles dépendent de la production de produits de gènes, donc de protéines et d'autres molécules. Et donc le génome est tout à fait important. Mais en même temps, il y a très probablement une transmission des formes. C'est-à-dire que les cellules, on ne repart jamais à zéro. On a toujours, comme je vous l'ai montré pour les cellules, elles se divisent en respectant, en ayant la mémoire de la forme de la mère. Donc il y a des systèmes unicellulaires dont j'ai peu parlé, comme les ciliés, qui sont vraiment des cellules organismes, comme cette bête-là par exemple, qui est un hippotriche, ça c'est son ventre, et ça c'est sa bouche, c'est un énorme... Et vous voyez que c'est des, si on regarde la bouche de plus près, c'est des architectures extrêmement organisées. Et tout ça c'est des microtubules, ça c'est des corps basaux, etc. Donc vous voyez, on revient à Darcy Thompson, toute une architecture extrêmement compliquée.
Comment, or ces cellules-là se divisent souvent, assez souvent, certaines et toutes les quelques heures, comment elles sont capables de transmettre ça? Alors certaines défont tout et refont, mais elles gardent des liens, c'est le cas de celle-ci. D'autres, comme la paramécie, ont une espèce de refont les choses, dupliquent tous les éléments. C'est-à-dire tous les éléments sont dupliqués, puis ensuite elles se débrouillent pour séparer les deux systèmes et faire deux cellules. Et donc, il faut imaginer, tout ça c'est pour vous dire qu'il faut imaginer qu'on a évidemment l'hérédité génique portée par l'ADN, mais qu'on a éventuellement un maintien des structures qui perdurent sur deux ou trois divisions, et c'est suffisant pour que la forme se propage. D'accord ? C'est-à-dire le génome n'est jamais tout seul à donner les produits pour faire une forme. Et voilà la paramécie qui est un très bel exemple. Dans la paramécie, on a, vous voyez, toutes ces logettes, et au milieu de chaque logette, il y a un cil. C'est pour ça qu'elles ont 4000 cils. Donc elles sont très poilues, elles nagent très efficacement avec des ondes métachronales. Et il y a ce qu'on appelle, chaque fois qu'on regarde une rongée, il y a ce qu'on appelle une polarité. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître, avec les liens que les différents corps basaux qui sont à la base des cils font, on sait reconnaître une direction. Et il y a une très jolie expérience qui a été faite il y a très longtemps par Jeannine Besson, qui est encore à Gif-sur-Yvette, et qui, quand elle était en postdoc chez Tracy Sonneborn, a montré qu'il y avait une hérédité corticale, indépendante du génotype. C'est-à-dire que quand les paramécies conjuguent, elles se soudent près de la bouche, comme ça. Si on les dérange, alors donc leur polarité de synécie est comme ça. Vous voyez, elles sont comme ça. Donc elles sont tête en balle. Si on les dérange, elles restent soudées définitivement. Elles ne peuvent plus se défaire. Et donc, elles nagent comme elles peuvent sous cette forme. Mais ce n'est pas très commode, ce n'est pas très hydrodynamique d'avoir cette forme. Donc, petit à petit, il y en a une qui avale l'autre. Il y en a une qui résorbe l'autre. Mais donc, elles passent par cet état hétéropolaire où elles se tournent d'abord. C'est déjà mieux pour nager que d'être comme ça. Elles se tournent. Et ensuite, l'une avale l'autre. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose où il y a la trace de l'ancienne avec une polarité inversée. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, tous les cils sont dans cette direction, et là, au milieu, dans ce qui est rouge, eh bien, c'est le reste de l'ancienne qui a été avalée, vous voyez, qui est ici, et qui a été avalée, qui est inversée. Eh bien, dans ce travail, Jeannine Besson avait montré que, après 1000 générations, les filles gardent cette marque, gardent cette espèce de cicatrice. Autrement dit, on a une espèce d'hérédité de la forme, qui dépend des produits du génome, mais qu'il faut comprendre elle-même en elle-même. Et c'est très probablement la duplication des corps basaux, des centrosomes, c'est toute cette histoire-là qui est là-dessous. Voilà. Pour finir l'évolution, j'ai plus qu'une diapo, je reviens parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de vous dire dans ce cycle sur la cellule, c'est que tout ça vient finalement d'une cellule ancestrale. Voilà l'arbre des eucaryotes, tout ça, donc je vous ai donné quelques exemples, voilà ici les ciliés. Les dossiers que je vous ai montrés, là c'est trypanosome, j'aurais pu en mettre partout. Ici une belle forêt de bouleaux qui est les plantes. Et puis nous, avec les champignons, on est dans cette petite branche, qui est donc les opisthocontes, ceux qui poussent leur corps. Et nous voilà avec les évolutions, avec éventuellement des évolutions à éviter, mais qui deviennent menaçantes dans beaucoup de pays développés. Voilà. Et donc, comprendre ce qui se passe là, bien sûr, est très intéressant, et pour l'instant on comprend ça en termes de gènes exprimés, mais le jour où on comprendra les modules fonctionnels, les modules morphogénétiques d'une cellule bien comme il faut, on comprendra peut-être pourquoi dans un cas on fait des animaux comme vous et moi, et dans d'autres cas on fait des choses très différentes, où on fait des champignons. Et donc, voilà, les unicellulaires les plus proches de nous, c'est ces petites bêtes-là, les coanoflagellés, qui ressemblent à ça, qui ressemblent à ça. Et en fait, les choses à qui elles ressemblent le plus, c'est aux éponges. Et les éponges, c'est ce qu'on appelle les coano-organites, qui sont beaucoup plus bas que les animaux à symétrie bilatérale, qui sont des choses un petit peu... qui ne sont pas des bilatéraux. Et les éponges ont des cellules qu'on appelle les coanocytes, qui ressemblent très très fort à cette cellule qui est notre groupe frère le plus proche. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un flagelle qui pousse dans cette direction, il y a de l'actine qui fait des tentacules pour attraper des bactéries ou des proies, il y a un système d'internalisation polarisée, et ça, finalement, c'est peut-être un motif, quand on l'aura bien compris, qui nous permettra de comprendre
pourquoi un motif très polarisé comme ça, utilisant les deux systèmes, a eu tant de succès pour l'organisation de systèmes comme les animaux, qui sont capables à la fois, comme je vous l'ai dit, de conserver toutes les propriétés de l'ancêtre unicellulaire et de faire des organismes multicellulaires qui se déplacent, qui répondent très rapidement à l'environnement. Voilà, je crois que je m'arrête là parce que c'est déjà très long et c'est tout. C'est la fin de ces trois conférences.